On a tout mélangé dans le stockage pour avoir un mélange homogène, profiter les avantages de toutes ces variétés de blé. Et donc voilà. Après, on a, là on voit pas trop, mais une case avec de l'épeautre, et du grand épeautre et une autre avec du petit épeautre. Donc je pourrais vous montrer tout à l'heure les grains voilà, non décortiqués, à quoi ça ressemble. Est-ce que c'est comme ça, plutôt que dans le silo? Alors le stockage, là en fait dans le bâtiment on a installé, conceptualisé la reprise du bâtiment pour aller du stockage jusqu'au pain qui sort du fournil. Dans notre stockage, on a fait avec ce qu'on avait. Et donc ici, c'était des vieilles cases réutilisées pour le stockage à plat. Donc on a redimensionné un peu certaines choses, mais c'est du stockage à plat parce que c'est ce qui coûte le moins cher et c'est ce qui est possible ici. Et de tout équiper avec des cellules, là, c'est trop compliqué, quoi. On va voir derrière, sinon il faut casser le plafond. Et ça a des avantages et des inconvénients. Donc après, là, quand c'est bien ventilé, il n'y a pas de souci particulier. Là, c'est un stockage qui est très fonctionnel et qui est très bien adapté à nos besoins. Il n'y a pas de plancher qui ventile, en fait? Bah, on a un système de gaine qui est installé en dessous avec le ventilateur qui ventile l'ensemble du grain. Ouais. Donc après, le grain, nous, on le reprend là par l'intermédiaire d'une suceuse pour remplir une trémie tampon et pour alimenter après un trieur. Et donc après, ça peut aller dans des cellules de grains propres. Parce qu'après, il y a le grain stocké, entre guillemets, brut de moisson. Après, il faut trier, donc il faut aussi des équipements de stockage intermédiaire. Et c'est pour ça que voilà, après, le métier du grain, entre le post-moisson et prêt à être utilisé pour passer au moulin, il y a aussi des étapes, en fait. Hein, donc, ça demande de la place, ça demande aussi du temps, ça demande. Voilà, c'est pas juste je récolte, je fais le pain, quoi. Donc là, c'est un trieur alvéolaire qui permet de gérer facilement les céréales. Donc il y a la cellule tampon qui est reprise et qui va après dans le trieur. Donc là, vous pouvez voir ce que l'on garde pas en petits grains. Là, c'est un triage pour faire de la semence, pour le semer, c'est à l'automne. Là. Et là, il y a le résultat du triage. Voilà, n'hésitez pas à aller voir. Hein. Je ne vois pas les critères de distinction entre la semence et celui... On est vraiment plus exigeant par rapport à la semence, mais là, globalement, le tri est à peu près équivalent. Ah, okay. Disons qu'après, en fonction des sorties, là, vous avez vu, il y a plusieurs sorties. Il y a des sorties qu'on va remettre dans le... Ah, oui. Par exemple, des sorties de grains moyens. S'il n'y a que des grains moyens, on va le mettre avec le blé pour le moudre. Mais là, pour les semences, on cherche à avoir les beaux grains, donc... Voilà, on limite un peu les sorties, mais globalement, le tri, on va dire, est quasiment le même. L'idée, c'est quand même d'enlever les graines de mauvaises herbes et les légumes. Et qu'est-ce que vous faites avec tous les déchets? Là, on s'est valorisé en alimentation pour les poules, auprès de notre clientèle. Ah ouais. Donc, vous vendez également des grains... Voilà, ouais. Voilà, on va continuer, parce que sinon, on va pas avoir le temps de... C'est des moulins à meules de pierre. Et après, on ira voir le fournil. Donc là, c'est des moulins à meules de pierre. Donc on arrive à faire de la farine en une passe. C'est-à-dire que le grain, il s'écoule en fonction d'un débit que l'on peut régler. Il s'écoule et il glisse entre les deux meules. Donc il y a une meule qui est fixe, celle du bas, et celle qu'on voit tourner là derrière le plastique blanc. Donc la meule dormante, la meule tournante. Les pierres sont taillées pour que le grain soit écrasé lentement entre les deux pierres. Et donc le résultat de ce travail
et après passer dans un tamis, donc derrière dans la caisse en bois, dans un tamis qui est choisi en fonction de, bah, du type de farine que l'on souhaite avoir. C'est-à-dire on enlève plus ou moins de son avec le tamis que l'on va choisir. Voilà, donc ça permet de... Des moulins comme ça, ça ne permet pas de faire de la farine raffinée. C'est un moulin idéal pour faire de la farine semi-complète. Donc avec les tamis, on peut jouer un peu pour tendre vers la farine blanche ou avoir de la farine très complète. Mais voilà, c'est pas, on ne peut pas raffiner la farine comme il est fait avec des moulins à cylindres dans une minoterie équipée avec des centaines de moulins qui se suivent, des moulins à cylindres, quoi. Et donc là, en une passe, on a de la farine. Et donc le grain n'est pas chauffé, la farine n'est pas oxydée. Dans la farine, on retrouve, donc dans le grain, on a l'amande farineuse, le germe, l'acide protéique qui est tout autour du grain, entre l'enveloppe du grain et l'amidon. Et donc à travers ce process-là, on récupère en fait d'une part l'amidon, la base essentielle de la farine, mais aussi le germe et l'acide protéique. Et c'est là où on retrouve l'ensemble des oligo-éléments, des acides aminés, etc., qui peuvent être intéressants au niveau nutritionnel. Et c'est aussi pour ça que la meunerie à meule de pierre, elle a un regain d'intérêt aujourd'hui. C'est vraiment par rapport à l'aspect de la qualité du travail qui est fait, le coût que ça peut représenter pour une petite meunerie à l'échelle d'une ferme, et aussi pour la qualité nutritionnelle du produit. C'est simple d'utilisation, ça peut tourner 24-24. Les moulins sont... C'est de l'inspiration traditionnelle de la meule de pierre, mais il y a tout un petit arsenal d'équipements modernes avec des capteurs qui permettent au moulin de s'arrêter si jamais il y a un souci, s'il n'y a plus de grains, si le dernier sac de farine est plein, etc. Donc là, aujourd'hui, on a deux moulins. Donc un moulin qui est dédié au blé, avec des descentes qui va en dessous, il y a un silo à farine, ou sinon, on remplit une chaîne, un sac de 25 kg de farine, donc qui peut partir chez des boulangers. Et puis sinon, l'autre moulin, il fait les farines plus spéciales comme l'engrain, l'épeautre, on fait un mélange de farine sans gluten, ce genre de choses. Il y a un big bag, on voit là, c'est un big bag de granulés de bois. Donc c'est pour alimenter le four. On a fait le choix d'un four à biomasse, donc à granulés de bois, qui a l'avantage de nous laisser le temps de faire du pain au lieu de faire du bois. Donc économiquement, c'est très intéressant. Ça fait des contraintes en moins. On a le plaisir écologique de travailler avec de la chaleur fournie par de la biomasse. Donc c'est quand même de l'énergie renouvelable. C'est intéressant. Et puis économiquement, ça représente le même coût que le bois, mais il y a le travail en moins à faire. Et donc notre four est équipé, on va aller le voir, d'un système pour alimenter de manière régulière le foyer pour atteindre une certaine température, comme des poêles à granuler en fait. C'est automatique, c'est électrique et ça permet c'est programmable. Donc le four peut être lancé à 4h du matin, on arrive à 6 et on enfourne. Donc c'est comme un four électrique, on va dire, au niveau de l'usage, de la fonctionnalité. Mais c'est pour nous, c'était vraiment adapté à notre mode de fonctionnement, à nos besoins, à notre volonté d'avoir quand même une énergie renouvelable aussi dans le chauffage du four. Après, ici, on a un silo de farine, ce qui permet de gérer les volumes de farine plus importants, de farine de blé semi-complète, celle qu'on utilise le plus. Et donc, il y a un système de reprise qui permet d'aller dans le fournil directement dans le pétrin. Donc, si on a les sous dès le début, autant y aller, parce que ce sera que du bonheur après. Mais souvent aussi, on ne sait pas exactement ce qu'on a besoin. C'est aussi en faisant qu'on comprend mieux les besoins. Donc, c'est aussi bien d'y aller par étapes. Mais voilà, après, chacun raisonne comme il veut. Il faut être aussi prêt à investir si on n'a pas les sous. Donc ça, c'est encore un autre débat après. On est ici dans la salle où on façonne... On produit la pâte, on fait la pâte, on façonne les pains. D'habitude, il y a plein de farine partout, les tables partout, tout le monde est blanc. Et voilà. Donc là, la farine, je vous ai dit, il y a un silo à farine
Et donc le silo à farine, on peut faire venir la farine directement dans le pétrin. Donc on a aussi un doseur d'eau juste à côté qui permet de sortir la température à la bonne température. Et donc on indique le nombre de litres que l'on veut au doseur et gentiment il nous... Donc en fait on peut savoir exactement ce que l'on met dans le pétrin. On n'a pas besoin de peser à côté et de remettre. Donc, si on en met trop ou moins, on n'est pas obligé de peser avant d'aller mettre. Ça fait peser des trucs de 30 kilos, on se casse le dos. Et donc voilà, là ça commence à ressembler un petit peu aux idées qu'on avait au début. Quoi. Voilà, ça a pris du temps de... Hop, rien que mettre le pétrin sur balance, vous voyez, il y en a pour 2 500 €. Donc au début, on hésite un peu, on se dit bah non quand même. Finalement, on aurait dû le faire dès le début, quoi, parce que c'est génial. Donc voilà, après on façonne différents types de pains. Donc il y a des pains que la pâte qui est faite dans ce pétrin à brin plongeant, d'autres qui sont faits dans des poubelles. On peut appeler ça autrement, mais en gros c'est des poubelles. Voilà. Après on a des brioches que l'on met en moule. On a des pains que l'on cuit en moule. Donc ça c'est les pains généralement à pâte liquide. Avec donc, par exemple l'engrain qui a des gluten beaucoup plus lâches, moins résistants en fait, on peut le façonner on peut façonner une baguette de petite épaule d'engrain. Dans ce cas-là, il va falloir ne pas trop hydrater la pâte. Et donc ça fait un pain sec qu'il faut consommer assez rapidement. Il ne va pas bien se conserver. Et nous, on est plutôt dans la politique du pain de garde. Donc avoir un pain qui se garde le plus longtemps possible, mais pour cela il faut hydrater au maximum la pâte. Sinon on a aussi des moules comme ça pour par exemple l'Oberkulmer, le grand épeautre qui est aussi a des gluten par rapport au blé tendre un peu plus lâche. Et donc c'est pareil, c'est exactement la même réflexion que je viens de dire pour l'engrain. Comme on cherche nous à hydrater au maximum, si on les fait pas pousser dans des moules, c'est des galettes quoi. Donc voilà. Mais là après, là on le retourne, on le met sur la pelle et on l'enfourne. Contrairement au moule, c'est comme un moule à gâteau, on met le moule à gâteau dans le four. Voilà. Et le blé après c'est sur couche, donc on les met sur couche, on les met dans un parisien, ça lève, et après on reprend le pain sur la pelle et on enfourne le pain direct. Voilà, donc dans notre gamme de pain, on a du pain de campagne aux graines avec un mélange de lin, lentilles, lin, millet, flocons d'avoine, tournesol. On a un pain qu'on appelle de saison, en fait, qui nous permet d'introduire dans notre gamme un pain qui change au fur et à mesure des saisons avec des graines et des fruits secs. Par exemple, en ce moment, c'est noisette raisin. Là pour Noël on fait un gingembre orange confit, voilà, on fait des trucs un peu particuliers comme ça qui permet de satisfaire aussi l'envie du client de trouver de la diversité dans la gamme et puis de créer des déçus dès que la gamme change parce que voilà, faut toujours se réadapter à un nouveau pain, donc il y a toujours les gens trop contents, ouais, les gens très déçus. Mais voilà, c'est ce qui fait aussi l'animation, hein, c'est sympa. Et puis après, donc, donc, au niveau du pain de blé, on a du pain complet qu'on fait mouler. Donc, parce qu'il y a des gens qui aiment bien le pain en tranches qui vont bien dans le grille-pain, qui sont bien droites. Donc on essaye d'avoir un petit peu de tout. Dans les pains de blé, pain de campagne et pain aux graines, on fait différents formats. On fait 500 grammes, 1 kg, mais aussi des pièces de 3 kg et des couronnes. Voilà, on a un peu ces types de formats-là. Donc dans la gamme de pain après, donc on a les pains d'épeautre. Donc on fait que des pains purs céréales pour essayer de vraiment ressortir la typicité de la céréale. Donc on fait 100% en grains, 100% grand épeautre. Après, je déroge un peu à la règle, on fait un pain, on voulait faire 100% seigle, mais les aficionados du 100% seigle, il n'y en a pas beaucoup. On a créé un mélange grand épeautre seigle pour que ce soit un peu plus passe-partout, on va dire. Mais on a quand même une bonne sensation du seigle. Donc voilà, ça permet d'avoir un produit qui répond un peu plus à la demande. Et puis après, on a aussi on fait une brioche pur beurre qui est toute simple, mais qui est avec beaucoup de beurre. Donc elle est bonne. Beaucoup de clients disent « Ah, c'est le pain !»
comme j'étais petit, le pain à l'ancienne, etc. Mais nous, on estime que ce n'est pas du pain à l'ancienne. On est en 2019, on le fait avec nos moyens actuels. Et donc, on préfère se tourner vers une communication qui est plus porteuse d'espoir, d'avenir, etc. Et donc, les variétés anciennes, le mélange que l'on a fait, il répond pas tout à fait à nos attentes, clairement, quoi, au niveau de la panification, c'est pas évident. Donc, on essaye de l'améliorer. On est dans une constante évolution. On a voulu au début quand même essayer de valoriser ce travail-là en communiquant sur un pain issu des variétés que l'on a travaillé, etc. Alors, le terme variété ancienne, du coup, c'est un terme qui est facile à utiliser, mais on l'utilise finalement, mais ça ne nous va pas de l'utiliser, quoi. Pour remplacer le terme de blé ancien, je parle plus de variété paysanne, parce que je trouve que ça correspond plus. Et blé de population, oui, ça en parle aussi, parce que justement, ça empêche de rentrer dans ce côté de mono-variété, où on va communiquer sur les blés anciens et de telles variétés, alors qu'on sait que le côté résilient de la chose en termes agronomiques, c'est plus de parler de la culture en population, des mélanges génétiques, etc. Donc, ouais, communiquer plus sur les farines de blé de population. Alors, nous, on a mis des photos. C'est quoi l'engrain? Ben voilà, ça c'est du blé, ça c'est de l'engrain, déjà. Et puis, déjà, ça permet de situer. Le débat, faut décortiquer, ça fait pas beaucoup de rendement, c'est une céréale, c'est une des premières céréales qui a été domestiquée par l'homme, mais déjà ça permet d'expliquer de manière en 3-4 mots. Bon vivant, il va être très intéressant, oui. Il y a des conversations qui se poursuivent voilà. Semaine en semaine. Et c'est ce que je voulais dire, c'est que c'est très intéressant dans le sens où à force d'avoir des clients depuis nous, notre installation, qui commencent aussi à bien comprendre ce qui se passe ici, il y a des gens qui ne sont pas du tout du milieu agricole et qui sont des consommateurs curieux, qui s'y connaissent plus en céréaliculture et dans la génétique des céréales que la plupart des céréaliers voisins. Quoi. Ça c'est de l'engrain. Ça c'est l'engrain. C'est la couleur de l'engrain. C'est jaune l'engrain, ouais. Et alors il a par rapport au blé, il a l'avantage d'être mieux. Ben, il n'y a pas la même chose dedans. Ça se voit quoi. C'est des gluten qui n'ont pas été sélectionnés pour faire des baguettes, donc des gluten plus lâches. Forcément, du coup, les points énergie dans la molécule de gluten, la protéine, elles sont moins puissantes, donc elles sont plus digestes. C'est tout simplement nous, aujourd'hui, ce qu'on dit. Alors après, toute la thématique de gluten, moi je prends des pincettes, hein, pour l'instant, on ne connaît pas encore vraiment qu'est-ce qui se passe, etc. En même temps, donc, on a pas mal de gens qui passe à l'épeautre ou à l'engrain et pour certaines raisons, voilà, donc ouais, c'est clair, mais c'est une céréale qui convient bien à tous les milieux céréaliers. En Bretagne ils ont un peu du mal à le cultiver, mais ici dans nos terres c'est vraiment bien. Bah ouais, c'est très rustique, c'est pas du tout le même comportement, hein, par rapport aux mauvaises herbes et par rapport au cycle de la fertilité du sol. C'est moins exigeant, ça n'a pas les mêmes besoins en même temps. Je trouve que c'est vraiment une céréale intéressante au niveau agronomique de l'intégrer dans la rotation. C'est, en tout cas en bio, voilà. Après, pour l'instant, c'est un petit marché, ça peut être compliqué à le valoriser. C'est un marché de niche, donc il suffit qu'il y ait 40 personnes, 40 paysans qui le font et les prix vont s'effondrer, etc. Donc voilà. Après, il faut décortiquer, c'est les épeautres, quoi. C'est un autre monde, mais c'est très intéressant, quoi. Là, c'est dans notre pain sans gluten, il y a riz, lentilles, sarrasin et quinoa.